Dans ce deuxième exercice du protocole d'entraînement Super Speed Golf The Force Pedal, nous allons vous démontrer comment optimiser la force rotationnelle dans votre swing qui a une influence directe avec l'augmentation de la vitesse de tête de club. Pour cet exercice, nous allons utiliser la force pédale jaune et la force pédale orange. Reynald à ma droite va vous démontrer comment exécuter cet exercice correctement. Ok Grégory, la chose importante comme sur le premier exercice est de bien placer les forces pédales sous les pieds. Je vais commencer par le force pédale orange que je place bien sous l'arrière du pied arrière et le force pédale jaune que je place bien sous l'avant du pied avant. Ensuite, j'ai utilisé le super speed bleu intermédiaire qui conviendra à tout le monde et celui-ci est placé entre mon nombril et la boucle de ceinture. Ensuite, je vais vous décrire l'exercice. Donc, cet exercice à l'horizontale me permet de venir charger à droite ici sous le force pédale orange et ensuite dans le retour de venir charger sur le force pédale jaune pour ensuite libérer. Et maintenant, 5 swings. Alors, on vous recommande de faire cet exercice pendant 3 semaines. Passer ces 3 semaines, toujours continuer cet exercice-là, mais vous pouvez alterner avec la force pédale mini, toujours en respectant le bon placement de la force pédale, ce qui vous permet de changer vos perceptions tout en améliorant et optimiser la force rotationnelle, encore une fois, qui a une influence directe sur l'augmentation de la vitesse de tête de club.